des sacs de billes. Oh, je comprends que tu sois content. Moi aussi, je suis content. Tout ce qui a la forme d'une balle, j'adore. Je me souviens, à ton âge, j'étais pas mauvais. Si tu veux, je peux t'apprendre mes coups. C'est bon, papa, merci, mais ça a l'air facile. Je vais au parc, c'est là que tout le monde joue. Je pourrais essayer, 10 boules, je pourrais. Ne t'inquiète pas, mon Bill, bien sûr que je te laisserai jouer aux billes. Mesdames et messieurs, je vous présente Boule, le champion de la bille. Comment ça se lance une bille? Perdu, à moi. Oh bah non, ça compte pas. Mesdames et messieurs, petit incident technique. Maintenant, c'est à moi de jouer. Bill, une seconde. C'était un premier coup pour m'échauffer. Vas-y, Boule, passe-moi une bille maintenant. Attends, j'ai une meilleure idée. Tu vas plutôt faire ramasseur de billes. Non mais, pourquoi pas l'entretien de la pelouse pendant que tu y es? Bill, avec ton super flair, il n'y a que toi pour les retrouver dans l'herbe. Sinon, elles seront perdues. J'aurais bien aimé essayer de jouer. Eh ben, Bill, c'est très facile. T'as qu'à trouver une bille pour jouer avec. T'as raison, Caro. On la rate avec la gueule, tu pourrais l'avaler. Une baballe qui rebondit pas et qui fait pas pouet-pouet. Ils ont pas toujours des jeux très futés, les humains. Hé, hey, Boule, toi aussi tu joues aux billes. C'est cool, depuis quand tu t'y es mis? Depuis super longtemps. Ah super, alors tu veux bien jouer contre moi? D'accord. Et voilà, à toi. Mais franchement, c'est quoi ce tir? Et hop, t'as perdu. 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 Oh, Boule, t'es vraiment un gars trop généreux. Merci de m'avoir filé toutes tes billes. T'inquiète, Boule, il y a plein de grosses balles de tennis qui rebondissent à la maison. À ton âge, j'étais pas mauvais. Si tu veux, je t'apprends mes coups. Hé, hey, Nolan, une revanche cet après-midi, ça te dit? Pourquoi t'as encore des billes à me donner? Ça marche, mon pote. Bill, Caro, venez. Il me reste plus que quelques heures pour bien apprendre à jouer. Je vais essayer de regagner mes billes. Hé, hey, papa, tu sais, la technique des billes, je maîtrise à fond. Mais je veux bien voir ta technique pour comparer. Ok, fiston, c'est quoi ton point fort? La pichenette, le pointage, la pince ou le calage? En fait, je suis nulle et Nolan m'a gagné toutes mes billes en 2 secondes. Oh, tu sais, à ton âge, je ne suis pas devenu bon sans m'entraîner avant. Si tu veux, je t'apprends. Ah super, merci papa. Allez, c'est parti. Tout de suite là? Ah bon, d'accord. Ok, Boule, bientôt les billes n'auront plus de secret pour toi. On commence par le calage. C'est la technique pour tirer fort. Trop classe, papa! Il suffit de s'entraîner. À toi, essaye. Oh non! Encore une bille de perdue! C'est pas grave, recommence. Pas de problème, je veille. Mesdames et messieurs, c'est reparti pour Bill, le super ramasseur de billes. Bill, le super gardien de but, tu veux dire? En fait, c'est pas si bébête, ces petites babales. Oh. Wow, Bill, joli coup de balle. Comment ça, joli coup de balle? Ça, c'est du bol. Bill, t'es fantastique. C'est toi qui devrais jouer contre Nolan. Oui, faut peut-être pas exagérer. Mais si tu insistes, d'accord. Sauf que je peux pas faire ça. C'est moi qui ai lancé le défi. C'est vrai ça, Bill. De toute façon, t'as rien à prouver. Maintenant, on sait que t'es un champion aux billes. T'as raison, Caro. C'est pas un super défi pour moi de mettre une pâtée à Nolan. On va encourager Boule comme des méga supporters. Oui. Viens prendre mes paniers.
Tu vois, fiston, il suffit de s'entraîner. Merci, papa. Si je continue de bien m'entraîner, j'ai une chance de gagner contre Nolan cet après-midi au parc. Charge ! Une partie de billes au parc, c'est l'occasion de prendre ma revanche sur tous les gamins qui ont gagné mes billes quand j'avais 10 ans. Voyons voir si j'ai perdu la main. Oh, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai toujours été nulle. Une petite invention s'impose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le projectile idéal à envoyer sur le premier qui m'embête. Qui veut jouer aux billes avec moi? Salut, la ménagerie. Galop en acier, j'en avais jamais vu. Comme je me débrouille pas mal aux billes, si vous voulez, vous pouvez faire équipe tous les deux contre moi. Moi, ça me va. Si on gagne son galop, je le garde et en échange, je te rends toutes tes billes, ok? Ça marche. Allez, boule! On n'a qu'à jouer à la poursuite. On part d'ici, on fait le tour de la fontaine et le premier qui tape les marches du musée a gagné. D'accord. Allez, boule! Allez, boule! C'est parti. Ce tir de mauviette, mon pote, on va l'écraser. Oh. Et voilà, on est d'accord que ce n'est même pas la peine pour vous d'essayer de faire mieux. C'est dingue! Comment elle a fait ça? Elle est bourrée de talent comme moi. Tel chat, telle maîtresse. C'est sûr que chez vous, vous savez pas ce que c'est. C'est moi la super méga championne du monde de l'univers. Hey Bill, vu que ton maître est un nul, ça fait toi encore moins qu'un nul. Et toi t'es une punaise. La preuve, tu voles. J'ai l'impression d'avoir entendu George. Mais oui. Prends ça, toute façon, Pépère. T'as raison, je suis une punaise. Salut, je retourne aux lignes. Eh, mais génial. Ciao, ciao, les rigolos. Regarde, c'est ma bille tombée chez Madame Stick. Il reste une chance de se rattraper. Mais on va changer un peu les règles. Hé, hey, Madame Stick, pas si vite. Il me reste une bille. Et si vous voulez relever le défi, c'est Bill qui va jouer contre vous. Un chien contre moi? J'espère qu'aux billes, ce n'est pas une bille. C'est tout. Faut mettre la bille dans le cercle, juste là. Oui, mais pas directement. La bille doit d'abord passer au-dessus de la balançoire, rouler sur le portique et retomber dans le cercle. Mais... Alors le toutou a son bouboule. Il préfère rentrer à sa niniche. Va maintenant, Caro. Comme une bête. Yahoo! Pas mal pour un chien. Maintenant, à moi de jouer. Oh, la tricheuse! Ça va pas se passer comme ça. Encore gagné! Au pied, le toutou!
Tu permets. Georges, mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Encore mieux qu'un jeu vidéo. Et maintenant, un petit looping. Oh, Madame Stick, vous nous en voulez pas, hein? On a repris nos billes. Tenez, voilà la vôtre. Respect, Boule et Bill, vous êtes des cracks. Hey, on va faire une partie sur la place de la mairie. Ok, mais cette fois, on joue pour de faux. Ça sera sans moi. Les billes, c'est barbant à la longue. Moi, je préfère jouer à ça. Vieille puce faisandée. Tiens, salut, Bill. T'aurais pas une croquette coincée dans le pif? Je peux t'aider à l'enlever si tu veux. Toujours à embêter mon gentil caporal. Oh, tu tombes bien, Georges. À entendre Madame Stick crier, je parie que tu as encore fait sa fête à caporal. Moi? Mais pourquoi il dit ça? En tout cas, il a retrouvé le frisbee. Alors, qui est partant pour une partie de trempe au frisbee? Ouais! Je vais t'envoyer les opérations spéciales, moi, Vandal. Ne t'inquiète pas, mon caporal. Maman va leur faire passer l'envie de t'embêter. Attention, ça va te décoller. Ouais. À toi, Carole. Bien joué, Caro. Ça va, Bill? Bien joué, espèce de traître, va. Caporal, voici notre nouvel agent des forces spéciales, Georges 2.0. Je l'ai reprogrammé pour qu'il ne puisse plus rien t'arriver. Des croquettes vertes, oh, c'est mes préférées. À tout à l'heure, mon chaton. Ouais, c'est ça. Alors comme ça, t'es censé veiller sur moi. Youhou. Oh là là. Je tombe. Il ne peut plus rien m'arriver. Je suis invincible. Mes pouvoirs sont sur les limites. Fais attention, Bill. Il y a un frisbee qui arrive vers toi. Une salade de claques, ça te dit? Ça va, mon Bill? Ouais, ouais, j'admire la vue! Toi, la tête d'os, je vais te renvoyer dans ta litière! Tu calmes, Bill! Ça sert à rien de s'énerver! Et si on allait plutôt jouer au parc? Bonne idée! Allez, viens, Bill! Laisse Caporal jouer avec sa nouvelle nounou! Ok, ok! Ignore-le.
C'est toi le meilleur, Bill. Salut les nuls. Tu ne perds rien pour attendre. Le dernier est arrivé, fais sa tournée de glace. Allez viens, Georges, j'ai bien envie de leur petite glace. Hey, regarde avant de traverser, Minou. Merci, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, laisse-moi. C'est bon, t'es content? On y va maintenant. Mais tu vas me lâcher les griffes à la fin? Lâche-moi. Non, regarde là-bas. Je t'ai eu, ta ferraille. Des places spéciales. Adieu, prison dorée. Ouais, un point de plus. Allez, c'est à ton tour, Bill. Ouais. Non, c'est pas ce que tu crois. Caporal, arrête d'embêter Bill. C'est pas ce que vous croyez. Qu'est-ce que c'est que cette... Putain, Choupinel, libère-moi! Il me gave de croquettes! Il me torture! Pauvre Choupinel, lis sur mes babines! Laisse-moi! Oh non! Bah quoi? Avoue que c'était drôle, non? C'est quand même bizarre cette histoire avec Georges. Faudrait prévenir Madame Stick. Oh, t'es pas drôle, Caro! Regarde, Bill! La maison de Madame Stick. Mais qu'est-ce que... Elle a changé de portail. Mais elle se prépare à une attaque de mammouth ou quoi? T'as raison. Ou même peut-être des dinosaures. Regardez, à la fenêtre. C'est Caporal. Il a besoin de notre aide. Vous êtes sûr? Il avait l'air ok. Bill. Ok. Il faut qu'on porte secours à Caporal. Oui, mais comment on va entrer? Plus haut, sinon je vais me faire piquer les fesses. Ah, bien joué, Bill. Qu'est-ce qui se passe? L'allée est un grand tapis roulant. Mais qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Nous? C'est Caporal, madame. C'est encore la faute de votre sale cabot. Georges! Qu'est-ce que t'as fait à ma maison? Laisse-moi entrer tout de suite. On peut peut-être vous aider, madame Stick. T'es bien coué. Georges! Attention, Madame Stick! C'est une déclaration de guerre! Mon pauvre chat est aux prises avec un robot détraqué! Oh, c'est ma faute! J'aurais jamais dû le reprogrammer! Je suis allée trop loin! On va vous aider à sauver Caporal! Si tu le dis. C'est génial ce truc. Impeccable. À nous deux, Georges. Encore un peu plus haut, Boule. Comme ça. Parfait. Wow. Attention, redresse, redresse. Ça baigne, Madame Stick. Il est temps de passer de l'action tactique à l'action stratégique. Il faut mettre nos radars en réseau pour rechiffrer le profil cryptologique de Georges. Ce que veut dire Madame Stick, c'est qu'on va éteindre Georges en appuyant sur le bouton sous son bonnet. Parfait. Alors, à la, à la, à la, à la, à la.
ici. À toi de jouer, Bill. Faudra que je pense à faire quelque chose pour cette cheminée. On y rentre comme dans un moulin. Pitié, je ne veux plus de croquettes ni de cala. Tu es fait, gnome. Rends-toi. Mon sauveur. T'emballe pas, calme-toi, Alminou. Regardez, il est sur l'allée. Nous n'arriverons jamais à l'arrêter. Ciel, mon gnome, lâche-moi, sale matou. Attends. Oh, mais dis donc, elle, ça va pas. Fais-moi confiance. Caporal, mon ami. Bill, qu'est-ce que... Bill, tu es mon meilleur ennemi. Enfin, bisous. Mais comment est-ce possible? C'est simple. George est programmé pour protéger Caporal de toute agression. Il suffit donc de lui montrer un geste de tendresse de la part de son pire ennemi pour le mettre en confiance. Bill, t'es un génie. Oh oui, bravo Bill. Au secours. Un petit béco. Et voilà, mission accomplie. Bravo. Et merci les enfants. Oh. Oh. Vous allez bien, Madame Stick? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Au secours, aidez-moi. Sauf qui peut. Attention aux monstres. La redoutable Carosilla attaque les habitants de la ville. T'as pas l'air d'un monstre, Caro. T'es la tortue la plus mignonne du monde. Sauf que ta tortue ressemble beaucoup à une tortue alligator. J'ai vu un reportage là-dessus hier soir. Des animaux extrêmement dangereux. Mais oui, bien sûr. Elle va même devenir plus grosse que la maison. Notre mission est de neutraliser cette tortue avant qu'elle ne devienne géante et qu'elle ne détruise tout notre quartier. Oui, allô, c'est bien le zoo? Bien, je vous appelle par rapport à la tortue de mes voisins. Je suis sûre qu'elle est dangereuse. Oh, non, elle n'est pas très grosse. Oui, mais on n'a vraiment pas le temps de discuter. Non, je n'exagère pas du tout, voyons. C'est ça, bonne journée. Puisque c'est comme ça, je vais aller la capturer moi-même pour l'emmener au zoo. À tout à l'heure, Boule. C'est trop fatigant de jouer les monstres. J'ai bien mérité une petite sieste. Ça va être plus facile que je le croyais. Caporal, j'ai besoin de toi. Va chasser cet oiseau. On refait de partie. On va envoyer George. Mmh.
lui prends un stack ferraille. Quelle bande d'idiots! Caroline est une espèce de tortue très dangereuse et je vais l'attraper. Alors comme ça, elle veut attraper Caro. Ouais, ben qu'elle essaye. On fera tout pour l'en empêcher. Ouais, on l'attend. Faut qu'on trouve un signal secret pour prévenir les autres si Madame Stick arrive. J'en ai un que je fais souvent. Super, Bill. Et le mien, ce sera... Mais bon, si t'es vraiment une tortue géante, où est-ce qu'on va te mettre? J'ai toujours su que j'étais unique. Waouh, j'ai déjà l'impression que je grandis à vue d'œil. Et en plus, j'ai super faim. T'es pas une tortue géante, t'es juste gourmande. C'est ça. Et toi, t'es jaloux. C'était quoi? Caroline, salade. Hé, hey, je sais ce que tu manigances, caporal. Oui. Et ça va pas marcher. Oh non, c'est qui? C'est Madame Stick. Et elle m'a vu en plus. Qui est là? C'est la voisine, Boule. Ouvre-moi, j'ai apporté plein de salades pour votre adorable aligue... votre tortue, je veux dire. Merci, mais elle a pas faim. Je reviens. Mais prends-la quand même, on sait jamais. Laisse-moi tranquille, sale bête. On la reverra pas de sitôt, celle-là. Tu vas voir, je vais battre ton record de salto. J'ai trop faim. Je suis sûre que les tortues géantes doivent manger toutes les 2 heures, minimum. Tu vas devenir énorme et tu pourras plus bouger. T'es jaloux, c'est tout. Parce que je vais être plus grande que toi et surtout plus forte que toi. Regardez, tire bouchon. À nous deux. C'est pourtant bien. Hé, hey, au secours. Je veux pas aller avec elle. T'inquiète pas. Tu vas lâcher, oui. Vilain chien. Lâche pas, Bill. Madame Stick est complètement zinzin. Faut qu'on cache Caro et qu'on trouve de l'aide. Bill, tu t'occupes de Caro, moi, j'appelle Pouf. Allez, Pouf, s'il te plaît, décroche. Allô? Pouf, j'ai besoin de toi. Tu peux venir? Bah, je suis au restaurant, là, mais on a fini, ma mère paye l'addition, pourquoi? Madame Stick essaye d'enlever Caroline. Elle dit que c'est une tortue géante et qu'elle devrait être dans un zoo. Une tortue géante? Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Bon, je t'attends, hein. Dépêche-toi. Bizarre. Bonjour, Pouf. Je t'ai entendu parler d'une tortue géante. Bonjour, docteur. Ah oui, en fait, c'est Boule, il m'a dit que... Oh, un vétérinaire! C'est ce qu'il nous faut. J'espère qu'il y a à manger là-dedans. Voilà, c'est parfait. Laisse-moi sortir. Je peux pas rester là-dedans, il fait tout noir. Tu préfères que je te mette dans le frigo? Oh non, c'est trop froid. Bon, faut qu'on te cache quelque part où elle te trouvera pas.
Pourquoi pas dans le garage? Oh, oh non, 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 ça fait peur le garage. Allez, il faut vite qu'on te trouve une cachette. Ah ah, elle va pas regarder là-dedans. J'aime bien, c'est confortable. Faut que j'y aille. Madame Stick est dans notre jardin. Je l'ai vue escalader la haie. Mais après, c'est comme si elle avait disparu. Trop bizarre. Faut qu'on la trouve. Tu regardes par là, moi je regarde de ce côté. Oh là là, j'ai super faim moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est Caro. Oh non, elle est plus là. On doit la récupérer avant que Madame Stick l'emmène loin d'ici. J'ai une idée, viens avec moi. Ouais. Tu te rends compte, Nala? Une tortue géante dans notre ville. Tu seras beaucoup mieux au zoo qu'à côté de chez moi. Vous vous en sortirez pas comme ça. C'est parti. Merci, docteur. Tout le plaisir est pour moi. Je suis désolée, mais cette tortue est une tortue tout à fait ordinaire. C'est sa faute. Elle a dit que Caro était une tortue alligator. Elle est très dangereuse. Pas vrai? Non, pas du tout. Oh, c'est trop dommage. J'avais tellement envie de voir une tortue géante. Voilà ma facture. Bon, alors bonne journée à tous, madame. Bonne journée. Merci, monsieur. Ah, on s'est bien amusé. Moi, ça m'a donné soif, pas vous? T'es peut-être pas une tortue géante, mais pour moi, t'es quand même géante. Ça veut dire que je peux manger autant que je veux maintenant. Trop bon. Vous pouvez pas le laisser chez la toiletteuse. C'est la première fois que Madame Stick me demande de ramener son chaton d'amour. J'aimerais mieux que ça se passe bien. J'ai pas besoin de nounou. On va bien s'amuser. Tu parles d'une mission? Non, mais ça va pas la tête. Arrête de c'est pas drôle. Si, c'est trop drôle. Ce gros moustique commence à me hérisser le poil. Tu vas voir ce que tu vas voir. Hey, mais arrête, c'est pas du jeu ça. Wow, bien joué, Robin. Tu parles d'une ménagerie, deux idiots, un emplumé et une noix de coco. Je suis pas une noix de coco. Vous avez vu ces beaux gâteaux? Ça a l'air trop bon. Pas de gâteau pour les noix de coco. Répète un peu pour voir. Eh oh, moi j'ai rien dit, hein. On en mangerait. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mes gâteaux!
C'est ton chien qui a renversé mon étalage? Mais non, je vous assure, madame, Bill n'y est pour rien. Tous mes gâteaux sont fichus. Oui, c'est lui. C'est un autre chien qui est passé comme une fusée. Et comme par hasard, la crème est tombée droit sur la truffe de ton chien. Je vais appeler la fourrière. Non, pas la fourrière. Il détale comme des lapins. Boule, t'as même pas dénoncé, Roquette. Il est trop gentil, ça le perdra. Chaton d'amour, viens faire un bibi à maman. Oh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a eu un petit problème. Tu appelles ça un petit problème? Mon pauvre caporal est bon pour un nouveau toilettage. On ne peut pas te faire confiance. Surveille ton chien, je suis sûre que c'est sa faute. Oh, et puis je vais le faire moi-même. On est désolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La boulangère vient de m'appeler. Il paraît que Bill a saccagé son étal. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, je te... Et en plus, vous avez pris la fuite. Les gâteaux nous sont tombés dessus parce que c'est un chien qui a tout renversé et puis il a filé. Mais c'est vrai. Je vais retrouver ce chien et te prouver que Bill n'y est pour rien. Tu ne bouges pas d'ici, et Bill non plus. À la niche. T'en fais pas, mon Bill. On va trouver une solution. Allez, Bill. Pour info, la voisine a braqué son gros œil sur ta niche. C'est bon, j'y suis dans ma niche. Elle est contente. Jetez à l'œil, mon cagard. J'ai une idée, et tant pis pour la punition. Il faut qu'on fasse éclater la vérité. Croire que tu es toujours dans la niche. Un tour de passe-passe? Hé, Robin, tu peux faire diversion? Fiche gaffe! Mais file de là, je ne vois plus rien! Toi, jeté à l'œil. Ouais, ce n'est pas hyper vivant, mais bon, on pourrait croire que tu dors. Caro, non! Hey, Robin, on a encore besoin de toi! Et là, t'as tes bras? Mais ma queue ressemble pas à une carotte, si? Tu es génial, Caro! Il suffit de bouger le coussin de temps en temps pour faire croire que Bill est là. Tu peux faire ça? D'accord! À nous de retrouver Axel et Roquette. Et ça, c'est pas gagné. Tu oublies Robin des airs. Il va se faire une joie de partir repérer Axel. À vos ordres. Trompé. D'abord, changer de collier. Ouais, ça ne va pas suffire pour qu'on te prenne pour un autre. Pas mal. Par contre, fais gaffe à tes oreilles. Faut surtout pas que tu t'en serves, sinon t'es grillé. Pas de problème. Oups. J'ai prévenu Noisette, elle va jouer le jeu pour nous aider à coincer Axel. On se retrouve au parc, d'ac? Et si on faisait un petit essai avant? Ne me dis pas que tu veux tester Caporal d'abord. Je peux bien essayer avec ce filou histoire de me faire la patte. Bien le bonjour, mon ami. Tu te crois au cirque? Et c'est quoi ce collier ridicule? Je te conseille d'aller dans ta niche tout de suite. Des caméras? C'est pour moi? Waouh! Trop sympa le moulin, vous permettez? Mais t'es cinglé! Bill, oh non, ne fais pas ça! Le moulin n'est pas fait pour ça? Oups, je suis navrée! Mais t'es qui? Mon maître m'appelle au pied. Ou si je t'attrape, ça dépend. Mais moi, je ne me laisse pas mener par le bout de la truffe. Ce sale cabot est encore à faire du grabuge! Oh non, le voilà dans sa niche à se trémousser. Bien, et celui-là? Du bisou, du câlin, mon chaton d'amour. Caporal, c'était un ami. C'est quand même bizarre, j'ai jamais entendu parler de toi. Mais c'est normal, nous venons d'emménager, je fais le tour du quartier. C'est si difficile de se faire de nouveaux amis. Ah, je connais ça. Bill, le coquin d'à côté, c'est une teigne. Il est certain qu'à deux, nous serions plus forts pour intimider ce... Là, tu m'intéresses. Trop fort, Caporal n'y voit que du feu. Le plan marche comme sur des roulettes.
Tu pourrais faire copain-copain avec Bill, tu vois. Et là, tu l'entraînes loin, près de la fourrière. Il se fait attraper. Waouh, ces volatiles me hérissent le poil. Je dois lui montrer qui est le nouveau chef de meute. Bye bye, mon ami. Faut que j'en aie le cœur net. Arrête de bouder, Bill. Tu pourrais me répondre quand même. J'ai pas encore vu Axel. T'es sûr qu'il est par là? Oui, il faut qu'il avoue que Roquette a renversé les gâteaux. Il y a pas de raison que Bill soit accusé de ça. C'est dingue, on dirait vraiment un autre coquel. Bonjour chien. Il est trop chou. Ma glace. C'est ça, Phil. Et ne reviens pas ici. Qu'est-ce que c'est que ce chien errant? La prochaine fois, j'appelle la fourrière. C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Les drones, suivons-le. Allez, va chercher. Il est où ton chien? Une indigestion de crème, je parie. Bill est puni à cause de Roquette. C'est ton chien qui a renversé les gâteaux. Je l'ai vu et je n'ai rien dit. N'importe quoi. Tu as tout filmé avec ton drone. Tu dois montrer la vidéo à la boulangère pour innocenter Bill. Tu parles de cette truffe à la crème? Pas très innocent. Qu'est-ce que c'est que ce kangourou? Oh non, c'est le chien qui a volé ma glace. Il y a vraiment un problème avec les coquers. File, sac à puce. Hey, salut, champion. C'est votre maître? Hey, ce drôle de machin, c'est quoi? C'est un drone télécommandé avec une caméra. On a filmé cet idiot qui s'est fait attraper à ma place. Pour battre des records, il faut parfois un peu de casse. Il y a les champions et les tocards. Exactement, on se connaît. Je suis nouveau dans le quartier. Vous êtes un vrai costaud, vous, mais peut-être pas aussi rapide que moi. Qu'est-ce qu'il lui prend? Roquette au pied! Waouh, quelle flèche ce cocker! Je croyais que ton chien était le meilleur. Roquette est tellement rapide qu'on le voit à peine sur la vidéo de la boulangerie. Roquette a sans doute été pris par surprise. Et si on leur faisait faire une vraie course? Mais oui, tu la filmes et on verra qui est le plus rapide. C'est la honte, t'aurais pu faire un effort. On rigole plus, tu vas gagner, ok? Mais votre maître vous traite comme un caniche. What? Moi, à votre place, je le ferais tourner en bourrique. Quelle rigolade si vous étiez cap de lui piquer son bidule, non? Cap, pas cap, cap. Pas cap. Ah oui, pas cap, c'est ce qu'on va voir. Prêt, stop, partez. Gagné! Alors, c'est qui le meilleur? Il s'appelle pas Roquette pour rien. Waouh! C'est maintenant ou jamais, champion. Récupérer tes affaires, t'as intérêt à aller dire la vérité. C'est bon, je vais aller expliquer ce qui s'est passé à la boulangère. Je suis dégoûtée, tous mes efforts de dressage évanouis en un instant à cause de Bill, puni à cause de toi. Ok, c'est bon. Désolé, Bill, mais... Hip hip hip, hurra! Bill? Je m'en doutais. Quand ma maîtresse va savoir ça, Bill va passer un mauvais quart d'heure. Hello, mon ami. Je t'ai manqué. Oh non! Attends, maman. Il faut que je t'explique. On a désobéi, mais c'était pour... Pour prouver l'innocence de Bill, je sais. Axel a tout raconté à la boulangère. Elle a apporté ses gâteaux pour s'excuser d'avoir accusé Bill à tort. Et moi qui ne t'ai pas cru quand tu as voulu me dire ce qui s'était passé. Et
Est-ce que Madame Stick m'en veut toujours pour Caporal? Pas du tout. Il paraît que Caporal s'est fait un copain, un cocker super sympa. Madame Stick en est enchantée. Les robots, les droïdes, faut-il se méfier de la technologie? Remplacera-t-elle les hommes? C'est une possibilité que nous pouvons envisager. Tu te rends compte, Bill? Si on était remplacé par des robots. Tu parles quand tu vois le robot complètement zinzin de la voisine. À mon avis, on risque rien. C'est évident qu'il faut le remplacer. Chut, moins fort. Oui, on a bien fait. Il se lasse, il grandit, c'est normal. En tout cas, j'ai hâte de voir la tête qu'il va faire quand le livreur va l'apporter. De quoi il parle? Y'a rien que je veux remplacer, moi. Ah, ouvre les yeux, c'est moi qui veux le remplacer. Je suis sûre qu'ils veulent t'offrir un robot chien. Ça y est, ça a commencé. T'as peur d'être remplacé par un robot? Mais non, t'inquiète, je laisserai jamais faire ça. Toi et moi, c'est pour la vie. Tu vas voir comment Super Bull va régler tout ça. Vous êtes démasqués. Tant que je serai dans cette maison, personne ne remplacera Bill par un robot. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas question de... Ah oui? Et le colis que vous attendez, hein? Y'a quoi dedans? Je t'avais dit de parler moins fort. C'est... En fait, on s'est dit que peut-être tu voudrais un nouveau... Si on te le dit, ce ne sera plus une surprise. Allez, va prendre un peu l'air au lieu de regarder la télé. Ouais. On ne claque pas la porte. Bill, j'ai peur que t'aies raison, ils étaient trop bizarres. Mais je te promets que je t'abandonnerai jamais, et encore moins pour un robot chien. Je comprends même pas qu'ils arrivent à imaginer qu'on puisse se lasser de on moi. On est bon? Ça tourne? Action. Madame Stick, vous êtes sans doute l'habitante de notre ville la plus experte en robotique. D'ailleurs, vous possédez vous-même un de ces bijoux technologiques. Oh, vous savez, pour moi, George est plus qu'un robot. Il fait partie de ma famille. Après tout, je lui ai donné la vie. Oui. Alors, nos téléspectateurs brûlent de savoir, de quoi est-il capable? Mais d'absolument tout. Jardinage, lecture, babysitting, self-défense, prévision météo, massage, il est au petit soin pour moi. Gna 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 gna, tu perds rien pour attendre le fiston à ce moment. Vous voyez, mon Georges est d'une fiabilité à toute épreuve. Pas comme d'autres. Allez, file. Quand on fera un documentaire sur les champs empotés, tu seras convoqué. Ce sont eux, l'avenir. Bill, faut absolument empêcher la livraison du robot chien. T'imagines si papa et maman deviennent comme Madame Stick et se mettent à préférer un robot? Ne t'en fais pas, Bill. On va pas se laisser faire. J'ai une idée. Et on va avoir besoin de tes copains. L'équipe d'intervention robot débarras est en place. Ils doivent être en place. Ah, je viens de le dire, oui. C'est un genre de cache-cache, en fait. Eh, hey, Bill, Bill, on pourrait crier à l'abordage comme si on était des pirates, là. Eh, hey, Bill. Non, le but, c'est d'agir en toute discrétion. Ouais, discret, alors je suis pas ouf, tranquillou. On est plus des ninjas que des pirates, quoi. Des ninjas? Eh, hey, mais c'est trop cool, ça, les ninjas. Eh, hey, c'est quoi la différence entre un ninja qui a des puces et un pirate qui se gratte? Il y en a pas, les deux se taisent. Le voilà. Allez, file. Vas-y, va les prévenir. C'est bon, oui, il est là. Merci, Robin. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que... Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu les prends, chien? Oh là là. Ça va pas? T'es blessé? Oh là là, où est-ce que t'as mal? C'est marrant d'être discret, j'ai pas l'habitude. Arrête de parler, arrête de parler! Faut aller cacher ce truc! Ah oui, faut le cacher dans le terrain vague, c'est bien! Non, c'est une poubelle! Y'a que nous qui fuyons dans les poubelles! C'est pas vrai, y'a pas que nous! Tous les gens qui ont du goût fouillent les poubelles! Ah, vite, on fouille! Qu'est-ce qu'ils manigancent, cette bande de cabots? Oh, merci, monsieur! Mon pauvre Bill a la truc des scooters, à chaque fois qu'il en voit un, il s'évanouit! Au poil! Ah, je me sens mal. Bon, je te laisse t'occuper de lui, hein. Je file, je dois finir ma livrette. Oh, mon colis. Comment ça a disparu? Ben, il était là et une minute après, il était plus là. C'est Boule qui va être déçu. J'entends que mes voisins se sont fait voler. Décrivez-moi le colis. Taille, poids, couleur. Oh,
c'est gentil, Madame Stick, mais je ne pense pas que vous puissiez nous aider. Je n'ai jamais dit que je pouvais le retrouver. En revanche, mon Georges, lui, il peut. Avec toutes les dernières options que je lui ai installées, Georges a toutes les qualités d'un détective hors pair. Je sais où ils ont caché le colis. Plus tard, Caporal. Nos voisins ont besoin de toute la concentration de Georges. Mais je sais où ils ont caché. Filme tout ça. Le meilleur détective de cette ville, c'est Bill. Ah bon? Voyons, mon garçon. Ton toutou est sûrement doué pour rapporter les babales, mais tu ne peux pas le comparer à... Votre tas de ferraille. Poule. Attention, mon jeune ami. Bill est prêt à relever le défi. Rien n'échappe à son flair. Pas vrai, Bill? Oui. Détective Bill mène l'enquête. Vous êtes tous témoins. Je mets au défi votre robot de jardin de vaincre mon Bill. Ce qu'il ne faut pas entendre. J'adore. Le chien contre le robot, ça va faire un carton. Je veux louper ça pour rien au monde. C'est ça, admirez-les. Allez, bonne chance, grandes oreilles et chapeau pointu. Parce que le colis, c'est qui va le rapporter? C'est le matou. Le mieux, c'est sur la poubelle. Arrête, tout le monde va le voir. On le met dedans et on le recouvre avec des pots de banane. C'est sûr, parce que moi, je le vois pas là. Ça, c'est parce que t'as des poils devant les yeux. Mais j'ai pas de poils devant les yeux. Ah ouais, alors dis-moi combien j'ai de pattes. Comme tout le monde, 4. Mais non, mais pas un tout, imbécile. Devant la truffe, là, regarde, le mot, tu vois pas. Je sais pas. T'arrêtes pas de les bouger, j'arrive pas à compter. Mais laisse tomber, tu vois rien, puis c'est tout. 2. Laisse tomber, je te dis. Ne me déçois pas, Georges, c'est une question d'honneur. Tout ce que t'as à faire, c'est de retrouver Pluche et Ming. C'est fastoche. Ultra fastoche. Bien. Attention, départ. Prêt. Une odeur de pizza froide mêlée à du jus de poubelle. Pas de doute, ce sont les copains. Non, c'est toi qui lui dis. J'aime pas les mauvaises nouvelles. Personne n'aime ça, et puis on était d'accord tout à l'heure. Tu prends une grande inspiration. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du flair. Alors les ninjas, il est où mon colis? En fait, on n'a pas... Elle n'y arrive pas, Ming. En fait, on a perdu le colis, voilà. Quoi? Bah, on cherchait la meilleure cachette, tu comprends, pour pas se le faire voler. Et du coup, tu vas dire que c'est raté. Hein. Oui, c'est raté. Bien joué, Bill. Donnez-moi le colis, qu'on en finisse. Vous l'avez pas? Oh non! On n'a plus le choix, Bill. Faut ralentir Georges au maximum. Comme ça, t'auras temps de retrouver le colis avant lui. Ajustement du tir. Et moi qui pensais que ça allait être les pattes dans la truffe, cette compétition. Une petite douche. Oh, les tricheurs. Sans prendre à mon Georges, ils vont voir. Elle aime pas l'eau, la boîte à boulons. Tiens. Malin ce chien, le duel se corse. J'en ai les talons verts. Bill, t'es le meilleur. Georges ne supporte pas l'eau. Je m'occupe de lui pendant que toi tu vas retrouver le colis. Je suis sûre que tu peux le faire. Aucune enquête ne résiste à mon flair. C'est parti. Caporal, tu gardes la maison. Maman part en mission. On a demandé un colis. Ouh, j'ai un point de côté. Ouh, faut que je mange. Oh, faut que je boive. Oh, faut que je dorme. Chaud de vin. Aïe. Oups, pardon. Mais c'est quoi ça? C'est mes nouveaux pistolets à eau. Je voulais qu'on fasse une bataille. Mais c'est parfait. Ça te dit de t'entraîner sur une cible en mouvement? Ok. Oh. Qu'est-ce que vous faites à mon Georges? Ne vous inquiétez pas, on le rafraîchit, ça donne chaud la compétition. J'exige que vous déposiez vos armes. Un robot du genre décème la panique en ville, c'est un bon titre ça. Mais Ned. Et si on allait l'aider, Pouf? Oh, merci mon petit. Laissez-en votre tranquille. Oh, tu ne me laisses pas le choix. Ouh, elle a l'air fâchée, là.
Bon, on va reprendre l'enquête depuis le début et à ma façon. Vous l'aviez posé où exactement le colis? Ici. J'ai une empreinte et surtout... une odeur que je connais un peu trop bien. Les gars, vous vous êtes fait voler par un chat. Oh la honte! Allons-y! Tout ça, c'est ta faute. Mais pourquoi ça? Je vois très bien ce que tu manigances. Non, non, tu vois rien du tout. Si, je vois. Non, t'as les poils devant les yeux, je te dis. Ouais, mais je vois très bien où tu veux en venir. C'est bien le moment de faire la sieste, caporal. On est en pleine opération. Regarde dans quel état est Georges. Où est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Le colis? Caporal, tu es le meilleur des chats, je l'ai toujours dit. Pas le temps pour les mamours. Je dois rassembler les voisins et la journaliste. On a gagné. Vous devez être fier de votre chat. Votre robot, par contre... Sans commentaire. Désolé, Bill. Caporal a retrouvé le colis avant tout le monde. Oh, voilà notre deuxième détective. J'ai tout suivi. Quelle bataille! L'animal contre la machine. C'était fantastique. Viens poser avec ton copain. Hein? Eh non, y a méprise, on n'est pas du tout copains. Ça veut dire que j'ai quand même un peu gagné. On dirait que notre Bill va passer à la télé. Je comprends pas, il a aussi retrouvé le colis. C'est surtout grâce à lui qu'on a battu la boîte de conserve. Hein? Je vous expliquerai. Mais avant, vous devez me promettre de ne pas le remplacer par un robot. Tu as de ces idées, Boule. Il est hors de question de remplacer Bill. Allez, si on l'ouvrait, ce colis. Au revoir et merci, Madame Stick. Oh, c'est surtout mon caporal qu'il faut remercier. Allez, viens, mon sucre d'orge. Merci. Il est trop classe, ce nouveau tapis de jeu. À toi de jouer, Bill. Aucune machine ne peut te résister.